À tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'Empties. Donc, je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai pu terminer, on va dire, sur ces derniers mois et demi. Et je vais donc vous faire un retour dessus, vous dire ce que j'en ai pensé de ces produits que j'ai terminés. Est-ce que je les ai trouvés bien? Est-ce que je les rachèterai? Ou est-ce que je les ai trouvés finalement pas terribles que ça? Ou est-ce qu'ils m'ont pas plus impressionné que ça? Et voilà, je les rachèterai pas forcément. Donc c'est vrai que j'aime bien ces vidéos, ça me permet de vous faire un peu un retour sur les produits que j'ai pu terminer une fois que je les ai vraiment utilisés jusqu'au bout pour voir vraiment est-ce que c'était des produits que j'ai vraiment adoré ou finalement sans plus. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu des retours comme ça sur les produits terminés. Donc allez, sans plus tarder, je vais vous parler de tous ces produits que j'ai terminés et je vais vous faire mon retour dessus. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va parler un petit peu de mes produits terminés. Donc je vais vous parler de tous ces produits que j'ai terminés et je vais vous dire si je les ai trouvés bien ou pas. Donc je vais commencer par les produits plutôt skincare et ensuite je vous parlerai un petit peu plutôt du maquillage. Donc pour commencer on va parler des produits soins. Donc le tout premier soin, produit soin que j'avais terminé, donc c'était un nettoyant, c'était celui de chez Sephora. C'était le gel nettoyant peau nette, donc qui nettoie et tonifie. Donc ce produit il avait été entre guillemets un peu modifié parce que Sephora l'avait déjà fait, mais ils l'ont ressorti avec un ingrédient un petit peu différent, donc je sais plus ce qu'il y avait au départ dedans, mais là ils ont remplacé donc un ingrédient qu'ils avaient dans leur autre formule par les prébiotiques. Et du coup je l'avais racheté parce que même si c'était plus exactement pareil, ça me semblait être plus ou moins l'équivalent. Et j'avais beaucoup aimé l'ancienne version et je dois dire que celui-là je l'ai adoré aussi. Donc c'est un produit qui est plus ou moins clean, donc pas 100% clean mais pas trop mal en termes d'ingrédients. Il y a 98% d'ingrédients naturels. Il est non parfumé, ce que j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que des fois les soins parfumés, je trouve que c'est agressif, ça irrite la peau, donc ça peut être un peu difficile, surtout pour moi. Mais celui-là, j'appréciais qu'il n'était pas, qu'il n'y ait pas de parfum. Dedans, il y avait 125 ml. Et autre chose que j'apprécie, il est assez accessible niveau budget. Je crois qu'il est à peu près 9 €, 10 €. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même un assez bon prix. Donc c'est un espèce de gel. Donc c'est vrai que c'est un petit gel nettoyant. Donc c'est vrai que je m'en sers de deux façon, soit le matin pour me nettoyer le visage, soit pendant quand je me démaquille. Donc je vais faire un premier passage par exemple avec un lait et ensuite je vais utiliser ça en deuxième partie pour enlever un petit peu les résidus de maquillage qui resteraient pour nettoyer le visage. J'adore ce produit, je trouve qu'il est très réussi, le gel il est agréable, il est frais, il nettoie bien mais en même temps il fait pas la peau sèche, il laisse la peau vraiment rebondie, hydratée, pas asséchée. C'est un très bon produit, franchement il est hyper efficace, je le trouve super. Je l'ai racheté, franchement je l'ai à nouveau racheté parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Donc si vous cherchez un petit gel frais qui est pas irritant, qui est pas trop cher, facile à trouver, franchement je vous le recommande, il est super. Un autre nettoyant que j'ai là aussi terminé, c'est celui-ci de chez The Body Daily. C'était leur Almond Main Cleanser, donc on va dire les démaquillants à l'amande. Donc c'est un produit ça que j'avais déjà eu et déjà acheté il y a maintenant pas mal de mois et je l'avais racheté parce que je l'avais adoré. Et j'ai toujours adoré. Je trouve que ce produit est excellent. Donc concrètement il est un petit peu cher mais il y a quand même pas mal de grammage dedans, il y a quand même 120 grammes. Et c'est vrai qu'à chaque fois il me fait bien... il me fait pas mal de mois hein. Celui-là je l'ai peut-être depuis... bien 5-6 mois maintenant, donc c'est vrai que c'est des produits qui quand même, enfin c'est un produit qui quand même quand je l'achète mesure vraiment longtemps. Donc il a une base de lait d'amande, il y a de l'avocat, de l'huile de macadamia, du beurre de karité, donc c'est quelque chose de nourrissant. Mais ce que j'aime bien dans la texture, c'est que c'est une texture en effet laiteuse, mais c'est très fin et c'est pas gras. Et c'est vrai que ce que je trouve vraiment super sur ce produit, c'est qu'il est très confortable et très agréable. Donc c'est vrai que déjà je trouve que le pouvoir on va dire démaquillant est quand même pas mal du tout. C'est vrai que ça démaquille vraiment, vraiment le gros hein, déjà, ça se lait. Parce que des fois il y a des laits démaquillants mais ils démaquillent pas des masses, finalement ils sont plus nettoyants. Alors que celui-là, bien qu'il soit un nettoyant, il démaquille quand même vraiment très bien je trouve. Donc bien sûr ça enlève pas tout, il faut que je repasse un petit peu derrière, mais bon c'est le cas de toute façon de toutes les méthodes. Mais celui-là il est très agréable, il m'irrite pas les yeux parce que des fois il y a des démaquillants qui me brûlent les yeux, c'est une catastrophe. Celui-là je peux l'utiliser sur tout mon visage, je peux l'utiliser sur mes yeux. Et quand il se rince, voilà, il laisse pas de film gras ni collant, c'est un produit génial. Il a une petite odeur d'amande, très agréable mais très douce. Donc franchement, ce produit, c'est de la bombe, je l'adore. Franchement, c'est le meilleur lait démaquillant que j'ai testé jusqu'à maintenant. J'en ai testé un certain nombre, je le trouve juste super. Il n'y en a aucun pour le moment que j'ai trouvé qui me plaît, qui m'a plu autant que celui-là. Donc voilà, je le rachèterai, donc je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai acheté un autre, parce que je le terminais, j'en avais plus... j'avais besoin de quelque chose, donc j'ai acheté celui de chez Caudalie à l'amande, en espérant que ce soit un peu un dupe.
Il est pas mal, franchement, il est pas mal. Je l'aime pas autant que celui-là, mais bon, en même temps, celui de Caudalie, il est 12€. Donc pour 12€, j'en suis quand même vraiment très très contente. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai quand même particulièrement apprécié. Je le trouve vraiment génialissime en tout point. Et je pense qu'il conviendrait vraiment à tout le monde. Même s'il est nourrissant, il n'est pas non plus gras. Donc je pense qu'il conviendrait même à des peaux un peu plus grasses. Il est vraiment super ce produit. Donc si vous voulez un bon petit lait démaquillant et que vous voulez vous faire plaisir, c'est vrai que celui-là, je ne peux que vous le conseiller, il est génial. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Joe Schwarzbrook. Donc c'est un sérum que j'ai eu pas mal de fois. C'est le Hydration Boost Concentrate Facial Hydrating Serum. Donc c'est un petit sérum facial hydratant, donc de 15ml. C'est un petit sérum que j'adore. Franchement, comme je vous le disais, celui-là, c'est au moins le cinquième que j'ai dû utiliser. Il est super ce petit sérum parce qu'il est hyper fin, mais en même temps il est quand même assez hydratant. Donc le petit bémol peut-être, comme je vous le disais pour certains d'entre vous, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Ouais, ils sont pas grand chose de spécifique. Donc si vous aimez voilà, quelque chose qui olfactivement est riche et sent bon, vous allez peut-être pas aimer celui-là. Mais moi c'est vrai que je le trouve très sympa parce que du coup le fait qu'il ne sente pas trop fort justement, je trouvais que c'était confortable sur la peau. Et la texture, ça fait ça fait un peu comme de l'eau aqueuse un peu. C'est très agréable, c'est très frais. Et ça a une bonne hydratation, franchement, voilà. Un peu en hiver, quand j'ai eu la peau très très sèche, très très déshydratée, ça a vraiment été un bonheur. Donc voilà pour la texture, il m'en reste un tout petit peu. Donc voilà, ça fait presque un côté un petit peu haut. Et voilà, c'est hyper frais, ça laisse la peau hydratée, repulpée. Ce sérum, franchement, je l'adore. Donc j'ai découvert pas mal d'autres sérums que j'aime beaucoup hein, cette année, franchement. Mais celui-là, voilà, ça reste un de mes préférés. Je le trouve toujours aussi bien. Et clairement, je le rachèterai. Donc je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai d'autres choses à utiliser. Mais il était vraiment très très bien. Et bien sûr, voilà, ça reste un produit que j'adore. Et bien sûr, je pense qu'à l'avenir, je le reprendrai. Mais voilà, excellent produit que j'aime toujours autant. J'ai aussi terminé ma crème pour les yeux, celle de chez Indily. C'est la Eye Awaken Eye Serum. Donc là aussi, c'est une crème un peu aqueuse, un peu texture gel. J'aime beaucoup les textures gel en crème parce que je trouve, enfin surtout pour les yeux, parce que je trouve que c'est très frais, ça décongestionne, mais ça hydrate en même temps. Parce que j'ai les yeux assez compliqués, j'ai les yeux assez sensibles. Et mon contour des yeux, il n'est pas forcément hyper sec. Mais c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer, c'est que des fois... Enfin, les quelques crèmes, vraiment crème que j'ai testées étaient trop lourdes et m'irritaient les yeux. Et celle-là, finalement, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre quelque chose qui m'hydratait mais qui n'embourbait pas, qui m'irritait pas les yeux. Donc c'est quelque chose, une texture que j'ai très bien tolérée. Celui-là, c'est au moins là aussi peut-être mon troisième tube. C'est vrai que depuis que j'ai découvert celle-là, je la rachète systématiquement parce que voilà, c'est vraiment ce qui correspond à mes besoins. Donc souvent, j'attends des bonnes soldes pour la prendre parce qu'elle est quand même un peu chère. Mais c'est une très bonne crème. Donc voilà, c'est vrai que celle-là, je l'ai terminée aussi. Ça fait plusieurs fois que je la rachète. Je la rachèterai encore parce qu'elle me convient très bien. Donc j'en avais un tube d'avance, donc j'ai ouvert un nouveau tube vu que je l'ai terminé. Donc voilà, c'est vrai que ce produit, vous l'avez déjà vu plein de fois sur ma chaîne, mais je le trouve vraiment très bien. J'ai aussi terminé une crème, c'était celle de chez Ren Clean Skincare, c'était la Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream, crème de nuit éclat anti-tache, donc c'était pour la radiance et l'éclat. Donc c'était dans un petit pot comme ça. J'ai beaucoup aimé cette crème, je l'ai trouvée, déjà elle avait une petite odeur un peu marine, très agréable, et je sais pas, j'ai trouvé la consistance hyper intéressante, et c'est vrai que ce qui est assez intéressant avec la crème, c'est qu'elle, une fois que vous la mettiez, elle avait presque un rendu presque un peu mat. Elle n'avait pas ce côté collant, glowy qu'ont certaines crèmes. Donc c'est vrai que celle-là, j'ai adoré la mettre le matin avant de me maquiller. Ça faisait une base pour le maquillage vraiment super. Et puis franchement, elle avait une bonne hydratation. Elle m'hydratait bien la peau. Elle n'était pas asséchante. Elle hydratait juste ce qu'il fallait, mais ça faisait pas voilà, ce côté épais, ce côté collant. C'était vraiment très agréable. Donc après je veux dire que bon, pour l'éclat anti-tache tout ça, j'ai pas remarqué spécialement quoi que ce soit, mais voilà, je l'ai trouvé très agréable. J'ai aimé l'odeur, j'ai aimé le rendu, j'ai aimé le fini, j'ai aimé l'hydratation. Donc celle-là, je l'ai beaucoup aimée, je pourrais me voir la reprendre. Donc voilà un petit peu pour les produits que j'ai terminés, on va dire, en soins. Maintenant, on va passer au maquillage. J'ai terminé pas mal de maquillage, donc j'ai une petite pile à côté de moi. Il y a certains produits dont je vous ai déjà parlé dans mon Project Pan, mais bon, c'est pas très grave. Le premier produit que j'ai terminé, c'était ce primer de chez RMS. Donc RMS qui a sorti ce primer avec un packaging recyclable. Donc vous pouvez sortir le produit et acheter que la recharge pour le remettre dans votre packaging une fois que vous l'avez terminé. Ce produit était vraiment super. C'était une texture...
hyper fine, hyper fraîche, voilà, c'est un côté un peu gel, mais du coup c'est vrai que c'était un primer vraiment très confortable, il y avait vraiment ce côté fraîcheur, ça hydratait bien et ça permettait vraiment au produit que je mettais par-dessus de pas accrocher aux zones de sécheresse, ça faisait vraiment une jolie base un peu lumineuse, un peu hydratante sans faire des particules de paillettes. J'ai adoré ce primer. Franchement, si vous cherchez un bon petit primer hydratant et fin, je vous le conseille. Par contre, je vous le déconseillerais si vous êtes quelqu'un qui a la peau très sensible, ou si en tout cas vous êtes sensible aux huiles essentielles, parce que c'est un produit qui a quand même beaucoup d'huiles essentielles, ça conviendra pas à tout le monde, mais moi pour le coup ça m'a très bien convenu et je l'ai absolument adoré. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce primer, clairement je vais garder le packaging pour me le racheter quand j'aurai moins de choses parce qu'il est super. Ensuite j'avais terminé ce produit, donc c'était le fond de teint de chez L'Oréal Paris, c'était l'accord Parfait Nude, le sérum teinté repulpant qui était sorti il y a maintenant... Je crois qu'il était sorti vers le Black Friday, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un produit avec 1% d'acide hyaluronique et il était une dizaine d'euros, 10-15 euros. J'ai vraiment adoré ce produit. Il était tellement confortable et agréable à utiliser. Il était léger sur la peau, il faisait fin, il faisait pas trop glowy, très naturel et très bonne tenue. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Franchement, les deux seules choses que j'ai pas trop aimé sur ce produit, c'est un, la pipette qui est nulle. Franchement, cette pipette, elle sort rien comme il faut. C'était une catastrophe. C'était vraiment pas pratique du tout. Ça, j'ai pas trop apprécié. Et je trouve que la gamme de teintes manquait un peu. C'est dommage parce que L'Oréal Paris, ils ont eu sorti des fonds de teint avec des gammes de teintes vraiment extensives, alors que là, franchement, il n'y en a pas des masses de teintes. Et moi, c'est vrai que pour le coup, j'aurais mérité d'avoir une teinte un petit peu plus claire. Bon, clairement, ça allait, hein, ça passait, mais voilà, ça aurait mérité d'avoir un peu plus de teintes. Mais c'était un excellent fond de teint, je l'ai vraiment adoré. Franchement, je me verrais clairement le reprendre, celui-là, parce que je l'ai trouvé vraiment très sympa, très efficace, et je l'ai porté avec vraiment beaucoup de plaisir. Et il s'appliquait très bien à l'éponge, au pinceau. Très bon produit, donc j'en étais ravie de ce petit produit, donc je le rachèterai clairement à l'occasion. Donc ensuite j'ai terminé l'anti-cerne de Kosas, qui est lui aussi un favori. Voilà, comme vous le savez, cet anti-cerne, je l'ai racheté déjà plusieurs fois, je l'adore. Il est fin, il est imperceptible sur la peau, et c'est vrai que du coup, vu qu'il est fin, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, ça fait jamais effet matière. Il a une bonne tenue, il file pas dans les plis, il est pas disgracieux, il marchera je pense, même pour les peaux matures. La petite chose à savoir, c'est que si vous le mettez et que vous l'estompez directement, vous allez perdre un peu de couvrance. Je trouve que la meilleure chose pour avoir le plus de couvrance possible avec ce produit, c'est que vous l'appliquez, vous le laissez sécher un petit peu. Ouais, moi par exemple, je fais mes sourcils, je faisais d'autres choses, et ensuite vous l'estompez et là vous allez avoir le fini pareil, mais avec plus de couvrance. Donc, excellent produit. Voilà, la seule chose à savoir sur Kosas, comme je vous l'ai dit, je répète un petit peu, je suis désolée dans pas mal de vidéos, mais la gamme de teintes, pas exceptionnelle, et deux, les produits de Kosas ont tendance, en tout cas certains, à périmer assez rapidement. Donc si cet anti-cerne vous intéresse et que vous voulez l'acheter, voilà, je vous conseille de l'ouvrir, de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé et de passer ensuite à un autre produit. Moi personnellement c'est ce que je fais, parce que sinon vous courez le risque qu'il périme avant que vous ayez le temps de le terminer. Mais à côté de ça, c'est un excellent anti-cerne, clairement il est dans mon top 3. Donc ensuite en poudre, sur ces derniers mois j'en ai terminé deux. Alors il me semblait que je vous avais déjà parlé de cette première poudre, que je l'avais terminée hors Project Pan, mais je me trompe peut-être, parce que je l'ai gardé dans mon dans mon panier, donc j'imagine que j'ai dû vous en parler pour mon Project Pan, mais que j'avais pas dû vous en parler pour mes M10. Donc si jamais j'avais terminé cette poudre de chez Vapor, c'était la Perfecting Powder Pressed que j'avais j'avais terminé entièrement. C'est une poudre que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai terminé aussi la Kosas, là, plus récemment, qui elle aussi est toute terminée. Donc elle s'appelait la Cloud Set Henry, donc il y avait 9,5 grammes dans celle-ci, et la Vapor, il y avait 5 grammes. Donc il y avait quand même presque le double dans la Kosas. J'ai beaucoup aimé ces deux poudres. Si je devais vous en conseiller une, franchement, enfin moi en tout cas par rapport à mes goûts et mes préférences, j'ai préféré celle de Kosas. Je trouve que dans le fond, c'est un peu le même genre de poudre. C'est deux poudres qui sont un peu fines, qui sont pour les gens qui veulent pas forcément quelque chose qui soit trop matifiant, mais qui ont la peau sèche, et qui veulent quelque chose qui matifie un peu, mais qui soit naturel et imperceptible, et qui prolonge la teinte du maquillage. Ces deux poudres proposent ça. Mais je dois dire que je préfère la Kosas. Je préfère la Kosas parce que je la trouve un peu plus fine, un peu plus imperceptible, et un peu plus floutante. Et en plus, en rapport qualité-prix aussi, celle-là, vous avez quasiment le double, alors que celle-là, elle est plus chère. Celle-ci, elle est 40 euros pour, 5 grammes. Et celle-ci, elle est, je crois, 34 pour 9,5 grammes. Donc, c'est quand même un meilleur rapport qualité-prix. Donc, moi, personnellement, j'ai préféré la Kosas. J'ai pas détesté la Vapor, hein, clairement, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai même terminée. Mais, petite préférence pour la Kosas.
Donc ensuite, on va parler d'un bronzer que je n'ai pas terminé en soi, mais dont je vais devoir me séparer car bah, malheureusement, il a tourné. Il s'agit de mon petit bronzer de chez Tower 28, donc il s'appelait le Bronzino en teinte Suncoast. Donc c'était un petit bronzer que j'aimais beaucoup, je vous l'avais montré dans pas mal de vidéos, je l'ai réutilisé. Il y a peut-être quelques semaines, je vous avais fait un look un peu bronzé avec, mais je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, la texture est en train de devenir huileuse, bizarre, il y a un truc pas net qui est en train de se passer. Et je dois dire que j'ai plus trop confiance de mettre ça sur mon visage en toute honnêteté. Donc bon, comme vous voyez, je l'ai quand même pan, je m'en suis quand même beaucoup servie, mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui a tourné, qui voilà, ne va plus, donc bah, je vais m'en séparer. Mais c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé, clairement ce sera pas un bronzer pour tout le monde parce que c'est un bronzer crème, c'est un bronzer très fin et très lumineux, mais moi sur ma carnation je le trouvais magnifique, je trouvais que la teinte elle était vraiment parfaite, voilà, c'était vraiment très naturel et ça apportait cette petite luminosité sublime et le sous-ton était vraiment parfait pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé ce bronzer, je pourrais me voir le racheter donc je vais pas le faire dans l'immédiat parce que c'est vrai qu'en toute honnêteté, bien que j'ai adoré ce bronzer, c'est pas forcément un bronzer que je portais tous les jours à cause de la teinte quoi. C'est vrai que souvent dans ma vie tous les jours je vais plus sur des choses un peu plus neutres. Celui-là était quand même un peu plus chaud même si je l'aimais bien. Mais après si je devais me racheter un bronzer crème chaud, voilà, je pourrais me voir le reprendre. Mais bon c'est vrai que ces temps-ci il y en a d'autres qui me font envie, que j'ai envie de tester. Donc je pense pas que je vais spécialement le reprendre tout de suite. Mais pourquoi pas à l'occasion si je recherche un bronzer voilà, lumineux, plutôt chaud, je me verrai le reprendre parce que je l'ai beaucoup apprécié. Un autre produit qui va quitter ma collection pour la même raison malheureusement parce qu'il a tourné, c'est celui de chez RPRS. C'est le petit illuminateur dont je vous ai rabâché les oreilles pendant 3 ans qui est excellent et que j'adore. Mais voilà, là aussi malheureusement, ben il a tourné. Donc ce produit il était dans mon Project Pan, ça fait 2 ans maintenant qu'il est dans mon Project Pan, ou en tout cas bien 1 an et demi. Et c'est vrai que c'est un produit que j'ai tellement utilisé. Je trouve que la texture de ce produit est parfaite. Même si vous n'aimez pas les illuminateurs crème, je pense qu'il y a moyen que vous aimiez ce produit parce qu'il a une texture, c'est crémeux, mais en même temps c'est pas gras, c'est pas émollient. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est pas, ça fait pas quelque chose de collant, vous n'allez pas avoir vos cheveux qui vont se coller dedans, et ça va apporter une luminosité naturelle, mais en même temps ça se voit un peu, mais c'est pas trop, c'est pas too much. Donc c'est vrai que c'est un produit super, et la teinte est sublime, il existe deux teintes, mais c'est vrai que le mien, voilà, là aussi, il commence à transpirer, à être un peu gras bizarre, à sentir bizarre, et voilà, les dernières fois où je l'ai appliqué, c'était pas comme d'habitude, c'était étrange, et c'est vrai que bah, c'est un produit que j'ai vraiment depuis très très longtemps, voilà, enfin je l'ai quand même beaucoup utilisé. Comme je vous disais, je suis un petit peu déçue que ce produit n'existe pas dans un plus petit format, parce qu'il y a 10 grammes de produit. Pour un produit crème, c'est énorme. Franchement, 5 grammes, c'était largement suffisant. J'aurais préféré qu'elle fasse un, voilà, un produit avec un packaging avec 5 grammes, franchement, parce que voilà, 10 grammes, ça c'est impossible à terminer. Même si vous aviez un illuminateur que vous l'utilisez tous les jours, vous pouvez pas le terminer, c'est pas possible. Parce que moi, franchement, celui-là, je l'ai utilisé, mais à outrance, hein. Et je pense que ça se voit, hein. Non, il n'y a pas des masses, mais ce produit, c'est impossible de le terminer. Et ça, je trouve ça dommage. Ensuite, j'ai terminé le crayon de chez Kosas. C'était le Brow Pop, le Duo Action Defining Pencil, le crayon définition double action. Donc vous aviez d'un côté une petite brosse, assez classique, et de l'autre côté une petite mine. Donc la mine était assez fine, très précise. Donc c'est vrai que ce crayon, ce qui m'avait un petit peu surpris quand je l'avais acheté, c'est qu'il est assez pigmenté. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Mais bah, je l'ai beaucoup aimé ce produit, franchement je l'ai trouvé sympa. C'est vrai que sur le coup c'était pas forcément mon crayon préféré parce qu'il était un petit peu trop pigmenté à mon goût, mais c'est vrai qu'après une fois que j'ai trouvé un peu le geste, je l'ai trouvé très sympathique. J'ai trouvé que c'était un bon crayon, est-ce que c'est quoi que ce soit de révolutionnaire que vous pouvez pas trouver ailleurs? Non, mais ça a été un bon produit, j'ai apprécié l'utiliser, je l'ai terminé jusqu'au bout. Bon, sur le dernier millimètre il s'est cassé donc j'ai dû arrêter de m'en servir malheureusement, mais bon je l'avais quasiment terminé, je m'en suis vraiment beaucoup servi, je l'ai trouvé très sympa. La teinte que j'avais c'était medium brown qui marchait très bien pour moi, j'en ai été contente de ce produit. Est-ce que je vais courir le racheter? Non, mais je l'ai quand même trouvé sympa, donc si je devais racheter un crayon, voilà, je pourrais peut-être éventuellement reprendre celui-là. Après je sais pas si je me redirigerai forcément vers celui-là parce que comme je vous disais il était un peu trop pigmenté par rapport à mon goût, et j'en ai acheté un là récemment de chez Makeup Forever qui a une teinte je trouve qui marche mieux pour moi. Mais après voilà, c'était quand même un bon produit, si c'est un produit qui vous intéresse, voilà, il est sympa. Ensuite j'ai terminé le mascara de chez Figlo, donc c'était un mascara que j'avais depuis très longtemps, tellement longtemps que c'était leur ancienne version, depuis ils en ont sorti une nouvelle version, donc je sais même plus comment il s'appelait, je crois que c'était le Big Lash Mascara, quelque chose comme ça. Donc c'était un mascara en
tube avec une brosse assez grosse. Et je dois dire que ce mascara, je l'ai redécouvert avec plaisir. Je l'ai eu plusieurs fois dans le passé, je l'avais adoré et là je l'ai re-adoré. Il est très cher ce produit, franchement il est une 40aine d'euros et de toute façon celui-là, comme ça, n'existe plus. Je sais pas ce que vaut la nouvelle version, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai beaucoup aimé ce mascara. Je trouve que voilà, il faisait vraiment du volume, il apportait de la longueur, il faisait jamais de paquet. Voilà, il était excessivement cher ce produit, mais je l'ai adoré et je l'ai réutilisé avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que ce qui est marrant avec ce produit, et je l'avais déjà noté les dernières fois où je l'avais eu, c'est que les premières fois où je le mettais, il fallait vraiment le construire pendant 3 heures pour qu'il se passe quoi que ce soit. Mais je sais pas, au bout d'un moment, il y avait quelque chose qui se passait et puis il devenait excellent. Donc moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé, j'ai été ravie de m'en servir. Est-ce que je vous conseille de courir l'acheter? Non, parce que un, déjà j'ai pas testé la nouvelle version et de toute façon il y a plein d'autres mascaras super sur le marché moins cher, mais il est bien et je l'ai beaucoup aimé. Un autre produit de chez Figlo que j'ai terminé, donc c'était leur petit rouge à lèvres, donc je vous en ai parlé dans mon project plan de celui-là aussi. Donc voilà, il se présente comme ceci, c'était un petit, une petite teinte un peu nude, là aussi c'est un rouge à lèvres que j'ai adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas terminé d'un rouge à lèvres, donc je veux dire que je suis assez contente d'avoir pu le terminer, mais ça a été ça aussi un très bon produit que j'ai vraiment adoré. C'est vrai que Figlo, je trouve que tous leurs produits sont pas forcément exceptionnels et je trouve que de manière générale tout est un peu trop cher par rapport à ce que ça propose. Mais ils ont quand même quelques produits très sympas et le mascara et ce rouge à lèvres font partie de ces produits très sympas. Et c'est vrai que ce produit il est vraiment hyper agréable parce qu'il est hyper confortable, il est doux sur les lèvres, voilà. Et si vous avez les lèvres un peu desséchées, déshydratées, c'est très confortable, il est pas asséchant. Il est hydratant, la teinte était absolument magnifique. Donc bon, il n'avait pas la meilleure tenue du monde, donc évidemment c'était un produit un peu plus hydratant, mais ça a été un produit que j'ai adoré, la teinte est magnifique, je l'ai vraiment trouvé très sympa. Donc celui-là par contre maintenant il est un petit peu difficilement trouvable parce que Figlo a arrêté de le faire, vous pouvez encore le trouver sur The Green Shop Beauty Shop, mais voilà, vous le retrouvez pas sur, vous le retrouverez plus sur le site de la marque. Mais c'est un produit sympa, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Est-ce que je le rachèterai pas dans l'immédiat parce que bah, j'ai d'autres rouges à lèvres et c'est vrai que quand je vois le temps que ça m'a pris de finir cette chose, voilà, je ne vais pas aller accumuler 35 rouges à lèvres, n'est-ce pas? Parce que ça sert à rien si c'est pour les jeter. Mais voilà, c'est un excellent rouge à lèvres. Si vous aimez la teinte, si vous lorgnez dessus mais vous n'étiez pas sûr si vous voulez craquer ou pas, voilà, clairement, il est très sympa. Et pour finir, mon dernier untease, c'est ce gloss de chez Sigma. Donc Sigma, j'ai terminé plusieurs de leurs gloss. Je trouve que c'est des gloss très qualitatifs. Moi en tout cas je les ai beaucoup aimés, c'est les Renew Lip Oil, donc ils ont je crois sorti 4 teintes, moi j'en ai eu 3, j'ai eu la teinte rosée que j'ai terminée il y a quelques mois, celle-ci j'ai racheté la teinte rosée parce qu'elle me manquait, oui j'aime beaucoup ces gloss, et bah du coup enfin voilà, celui-là aussi je l'ai terminé, c'est vrai que ces gloss je trouve qu'ils ont une formulation très intéressante, qui s'approche un petit peu de Figlo, c'est pas exactement pareil mais ça s'approche un peu, c'est ce genre de texture un petit peu je trouve un peu plus épaisse. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gloss qui vont vous apporter quand même un soin un peu en profondeur et qui vont vraiment pas mal se tenir. Par contre, je trouve que par rapport à ceux de Figlo, par exemple, ils ont une moins bonne tenue. C'est vrai que les teintes, en fait, de chez... Enfin, c'est pas qu'ils ont une moins bonne tenue, mais ils sont moins pigmentés, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que je trouve que ceux de chez Figlo, vu qu'ils ont quand même pas mal de variétés, que ce soit en termes de fini, en termes de teint, il y a des teintes qui sont hyper pigmentées, alors que c'est vrai que les teintes qu'ils ont choisies chez Sigma pour leur gloss, déjà, il y en a que 4, donc évidemment, il y a moins de choix, et c'est des teintes très portables et très nude. Donc c'est vrai que concrètement, c'est pas des gloss hyper pigmentés qui vont vous apporter grand chose en termes de pigmentation, c'est vraiment plus quelque chose que vous allez mettre par exemple par-dessus un rouge à lèvres ou pour vous nourrir les lèvres dans la journée pour avoir une bouche très glossy et hydrater vos lèvres. Mais c'est des très beaux gloss, ils ont une très bonne formulation, je trouve que le prix est correct et je les ai beaucoup apprécié. Et celui-là, j'adore, je suis un peu triste de l'avoir terminé parce que là aussi je l'ai adoré, je l'ai tellement utilisé et je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, ces gloss, je les adore. Mais voilà, franchement, je suis quand même contente de l'avoir terminé, de voir que j'aime les produits et de voir l'évolution, mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu triste de l'avoir terminé. Donc voilà un petit peu cette petite vidéo où je vous parlais de mes produits terminés touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mon retour sur ces différents produits. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez terminé comme produit et qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce qui vous a déçu. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.